On a longuement parlé déjà l'année dernière d'un accident nucléaire majeur qui est passé au niveau 7, donc au niveau... Le CEA a mis en place une organisation qui répond au principe de la réglementation, mais quand on regarde installation par installation ce qu'il en est, il y a bien sûr des disparités. Et on a notamment remarqué que dans des installations où le prestataire Areva est massivement présent, ces contrôles, cette surveillance devait être renforcée. On voit se développer de plus en plus de scanners du corps entier. Et le scanner du corps entier, c'est un acte qui vous délivre une dose significative, puisqu'en une seule fois, vous recevez la dose que reçoit au maximum sur une année complète un travailleur dans une installation nucléaire. Et dans ce domaine de l'imagerie médicale, l'ASN a constaté entre 2002 et 2007 que les doses moyennes à laquelle la population est exposée avaient augmenté de 50%, donc en 5 ans.